Bon, eh bien dis donc, il serait temps. J'ai un souci avec l'enregistreur vocal et ça rame pendant des heures, des heures, des heures. Mais j'espère que ça va fonctionner à nouveau. Bonjour à toutes et à tous, c'est Toundra. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel ré... Non, pas un... Alors, ceci n'est pas un rétro-test. Ceci est un vidéo-test et aujourd'hui, on se retrouve pour un vidéo-test sur Nintendo Switch aujourd'hui sur Hot Shot Racing sur Nintendo Switch. Il est sorti sur tous les supports, donc Xbox One, PS4 et PC, ainsi que sur Nintendo Switch. La version que j'ai, c'est la Nintendo Switch que j'ai. Voilà. Donc, c'est développé édité par Lucky Mountain Games et avec la collaboration de Sumo Digital, édité par Curves Digital. Voilà, édité, hein. Je dis bien. Il s'agit bel et bien d'un jeu d'arcade. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une sorte d'inspiration de tous les jeux d'arcade, tous les jeux de course d'arcade qui existent depuis des années. Et dire que Sega avait presque le monopole de tous les jeux de arcade. Mais quand je dis bien Sega qui ont tout le monopole mais des jeux d'arcade, forcément il fallait qu'il en ait un qui arrive à la cheville. SNK de la Neo Geo. Et pourtant ils ont pratiquement la même ambition tous les deux. Les jeux d'arcade. Ainsi que Capcom, Konami. Et d'autres jeux comme Jaleco ou je ne sais qui. Voilà. Allez, c'est parti pour la sauce. Allez. Nous allons commencer. Alors, il dispose d'un système de crédit. Donc, comme vous pouvez là, j'ai mon système de crédit qui est au-dessus. Voilà. Donc, j'ai à peu près de 915 000 dollars. C'est énorme, 915 000 dollars. On a un grand prix, notre grand prix pour débloquer, pour pouvoir remporter suffisamment de coupes. Ensuite, course solo, mode arcade, chrono pour jouer, pour battre les autres joueurs, les joueurs fantômes. Ensuite, multijoueur en solo. Non pas en solo, mais en réseau. Local sans fil, atelier pour personnaliser votre personnage et votre véhicule. Donc voilà. Donc exemple, on peut personnaliser notre véhicule, donc ce qui est vraiment excellent d'ailleurs. Voilà. Ainsi que les pilotes. On peut ch ch changer n'importe quel costume. Donc, ce qui est assez cool en fait. Voilà. Donc tous les voitures de chaque pilote ont leur propre particularité. Donc équilibrée. Donc qui est à peu près à la même accélération, même vitesse de pointe ainsi que même dérapage. Ensuite, une voiture qui fonctionne que sur l'accélération. Une voiture qui fonctionne que sur la vitesse et une voiture qui fonctionne que sur le dérapage. Voilà. C'est tout. Chaque personnage a sa propre nationalité et a ses propres voitures. Par contre, ils ont un espèce de combinaison spatiale. C'est assez flagrant. Assez fou. Mais bon, alors on va faire le mode solo. On va peut-être faire le mode solo, voilà, plutôt le mode solo. Alors, les lieux, on a quatre circuits. On a la côte, le désert, la jungle et les montagnes. Alors, on va prendre peut-être les montagnes, c'est beaucoup plus simple. Faites au village, au château, ou peut-être faites au village. Grotte fossile, paradis du ski, ville Alpes. Route gelée. Alors, on va prendre ville alpine parce que je trouve que j'aime beaucoup. Enfin, mode difficile.
On va prendre Keiko parce qu'elle est intéressante, parce que toute sa liste de voitures est plutôt intéressante à faire. Alors, contrôle du mouvement. Ah oui, on peut même utiliser le gyroscope pour tourner avec le volant, avec les Joy-Con. Ah oui, d'accord, ouais, j'avais oublié ça. En plus, il y a une époque. Oui, parce que le jeu est sorti le 13 août 2020, donc sur pratiquement tous les supports. Et honnêtement, il est à peu près sorti sur tous les supports. Bon, là, j'ai pas fait un bon départ, mais voilà. Alors, ben, j'ai pris en manuel parce que j'aime bien passer vitesse. Alors vous avez le système de progression. Alors vous avez le système de position et le système de tour. Voilà, donc le système de tour. On a un système de chrono au-dessus, plus le timer qui est au-dessus de vous, voilà. Alors peut-être que là j'arrête de dire système, pourquoi? Parce que là ça devient ridicule à le dire. Alors, quand vous voyez la barre. Oh putain! Ah, il me pousse en plus ce con! Voilà, très bien. On peut même faire. Une aspiration, c'est quand même assez fou quand même. Hein. Alors la carte se situe en bas à gauche. Ah merde, je me suis fait doubler, mais en même temps taper. Voilà. Putain, espèce d'enfoiré. Ah, il est un peu taquant ce putain de CPU, mine de rien. Hein. Il est assez taquant. Mais. Il est assez taquant. Et voilà, j'ai fait le meilleur temps autour. Ah, attendez. Le score, c'est au-dessus. Donc, du coup, on a le meilleur temps autour. D'accord. Bon, ben, ça, c'est pas plus mal. Comme là, j'ai une Formule 1. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, on peut changer de caméra. La vue du cockpit du pilote. La vue sur monocoque. La vue sur la route, et voilà. C'est cool ça. Oh putain! Enfoiré! Enfoiré! Ah, j'ai pas battu mon meilleur temps en tour, merde. En fait, voilà, comme vous pouvez le constater. On peut utiliser le boost à part. Alors, pour utiliser le boost, il faut appuyer sur la touche A une fois que vous avez rempli votre jauge. Une partie des jauges. Vous avez 4 stocks, 4 slots de boost et vous pouvez tous les utiliser. En 4 slots. Et une fois que vous avez eu vos 4 slots, vous pouvez aller plus vite. Voilà, donc comme là, je vous l'ai dit. La DA est vraiment fabuleux parce que, mine de rien, la jouabilité est juste impressionnante. Bon, c'est à peu près la même chose qu'à Outrun ou comme d'autres jeux d'arcade de l'époque. Honnêtement, c'est le meilleur jeu d'arcade. Pas le meilleur jeu arcade qui existe au monde, mais juste le meilleur jeu qui existe. Ouais, je crois que je crois que je dis un petit peu trop, il me semble. Alors, on va peut-être essayer la course du temple. Je regarde un petit peu. La voie royale. Ruine du temple. Cargaison chaotique. On va faire ça, mine de rien. On va peut-être faire ça.
code is my news. Et voilà, on va prendre la Torino. Voilà, la Torino, elle est plutôt bien. Et pas plus con. Et j'aime bien. Allez, on y va. C'est parti. Oh la vache, alors là, je m'attendais pas à ça, tiens, mon ami. Ok. Oh putain, oh putain. Putain, ils sont chiants. Putain, le CPU. Ah, le meilleur temps en tour, super, 29 secondes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh putain! Eh merde, putain, mais quand on touche là, on peut perdre notre. On peut perdre nos points quand. Mais quand on dérape. Voilà! Excellentissime! Voilà. Bon, ben j'ai un peu près fait un petit peu le tour. Bon, après les modes en mode arcade, on pouvait même faire flic et voleur, voire même se toucher les barils. Voilà, donc policier et voleur. Ensuite, fonce et ou explose. Barrage de baril et c'est tout. Il y a quelques modes en mode solo qui sont sympathiques. Voilà. Voilà, donc là je vous en dis pas plus, mais c'est un excellent jeu de course pour être joué en fait. Alors, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le meilleur. Il prend en fait le jeu prenne une sorte de hommage à tous les jeux d'arcade qui existaient à l'époque. Que ça soit Sega, Capcom ou encore d'autres sociétés japonaises de l'époque qui ont fait les jeux d'arcade. Mais sinon, il est unique, extrêmement unique à son genre. Voilà. L'ADA est juste extraordinaire. Ils ont utilisé les polygones pour en faire mais des jeux. Un jeu de course arcade comme celui-là, c'est extrêmement foutissime. Enfin, c'est plutôt fou en fait. Et en 2020, on utilise encore des polygones, alors que les polygones, tu utilises à partir mais des années 90 pour faire quelques jeux, que ça soit, par exemple, moi je me rappelle Another World de Eric Chahi quand il avait utilisé les polygones pour faire son propre jeu, mais c'est vraiment excellentissime. Mais quand vous voyez un jeu comme Hotshot Racing, là ils ont vraiment utilisé les polygones pour en faire des jeux comme ça, pour en faire un jeu de course comme ça en fait. C'est incroyablissime. Incroyablissime. Je ne peux pas passer à côté de ça, mais c'est extraordinaire en fait. C'est génial en fait. C'est génial. Voilà. Alors ça se joue en multijoueur en solo, voire même en multijoueur à 4 potes, ou encore multijoueur en réseau, peu importe, le kiff absolu en fait, le kiff absolu. Si vous êtes un passionné d'arcade, ben ce jeu est pour vous en fait. Donc par contre, la maniabilité reprenne un petit peu à certains jeux, comme par exemple Daytona USA, ou encore Outrun, ou 24 heures du Mans.
et je ne sais quoi. Voilà. Mais c'est vraiment diablement intéressant de voir un jeu comme ça. Et je suis vraiment assez anxieux parce que quand tu vois un jeu comme ça, mais franchement, t'as presque envie d'y jouer pendant un bout de temps. Bon, après, le mode Grand Prix n'est pas intéressant. Bon, après, je vais vous dire un peu. Le mode Grand Prix, c'est pas mal, mais c'est court. Mais c'est horriblement court, en fait. C'est ça que moi, je trouve ça un peu dommage. C'est que le mode Grand Prix est extrêmement court, en fait. Vous terminez quoi? Vous terminez plusieurs niveaux, et voilà, après, fini. Mais je trouve ça un peu dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Et ça ne tient qu'à vous le dire. Mais si vous voulez vraiment vous compléter complètement à 100% le jeu, il ne tient qu'à vous de l'essayer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, vous m'avez compris, donc on s'arrêtera là. Hot Shot Racing, excellent, excellent jeu d'arcade. Plutôt nouvel genre de course, nouveau genre de jeu de bagnole archaïque, plutôt intéressant. Mais c'est dommage qu'il n'ait jamais sorti en arcade pour tout en fait. Il est sorti sur Xbox One, PS4, Xbox, enfin PC et Nintendo Switch. Faites-vous plaisir. C'est un très 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 bon jeu d'arcade. Ça se joue. La gestion de la difficulté est assez bien travaillée. Même si je trouve que le CPU est un petit peu en manque de. Bon, il est un peu agressif dès qu'on est en mode difficile ou expert. Il a tendance à nous re-rentrer dedans. Voilà. Mais c'est sinon très bon jeu pour 2020. C'est assez fun à jouer. Voilà. C'est bon. C'est un très bon jeu. Voilà, c'est un très bon jeu. Et voilà. Voilà. Alors, graphisme et DA, bon, réussite. Avec les polygones, c'est diablement réussite. Réussi, mais au sens du terme. Ensuite, la jouabilité. Ouais, bon, ça dépend de n'importe quel type de véhicule, mais que tu manies. Voilà. Après, la durée de vie est assez limitée. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Et sinon, ben, on a de différentes. Différentes quatre, on a quatre circuits du jeu, mais après, c'est tout. L'OST n'est pas fabuleux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. L'OST n'est pas fabuleux. Voilà. Mais c'est un excellent jeu d'arcade. Nouveau, renouvelle jeu d'arcade pour le plaisir avec les yeux à la maison. Voilà. Il ne tient qu'à vous de le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à favoriser la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo en ligne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis mille baisers. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.